From the toxic ashes of Vietnam War II, a new breed of renegade soldier is born. Part man, part machine, all cyber commando. Fuck you. Dévoilé au public le 1er avril dernier, tout le monde a d'abord cru à une bonne blague. Pourtant, Far Cry 3 Blood Dragon sortira bel et bien dans quelques jours sur PC et console HD. On imagine d'ailleurs qu'Ubisoft avait prévu son coup à l'avance et anticipé les nombreuses réactions qui ont suivi la diffusion du premier trailer hautement inspiré de ce standalone. Blood Dragon se pointe avec des intentions très claires, stimuler les trentenaires qui ont grandi avec des références issues des années 80 et 90, à coups de scénars ridicules, de personnages clichés et de situations over the top. Une grosse dose de second degré donc, dans lequel le jeu nous plonge dès les premières secondes, notamment grâce à ses cinématiques façon jeu de l'époque et ce tutoriel super décalé qui suit. Et pour mieux comprendre ce délire dans lequel Ubi Montréal s'est inscrit, nous avons profité d'une journée organisée par l'éditeur pour poser quelques questions à Philippe Fournier, l'un des producteurs de Blood Dragon, à commencer par les références dont s'inspire le jeu. Pour nous, ce qui était important, c'est de se retrouver un peu, de se remettre dans la peau des gens qui vivaient dans les années 80-90. La plupart des développeurs sur l'équipe sont justement des enfants un peu de ces années-là. Puis pour nous, c'était tout ce qui était VHS. Dans ces années-là, on allait dans un club vidéo, tout ce qu'on trouvait, c'était des cassettes et des cassettes VHS de autant de super bons films comme de vraiment très mauvais films. Donc pour nous, une des plus grandes références, évidemment, c'est Terminator, Robocop, G.I. Joe, He-Man, tous ces soit cartoons ou soit films-là de ces années-là, action, over the top, explosion, cliché, c'est vraiment là-dedans qu'on est allé chercher l'inspiration pour Far Cry 3 Blood Dragon. Ubisoft Montréal a également tenu à travailler avec des artistes ayant eux aussi un rapport avec cette époque. Afin d'aller vraiment chercher l'essence des années 80-90, on est allé chercher des gens justement qui sont eux aussi s'inspirent dans leur quotidien de ces années-là. Par exemple, pour la musique, la soundtrack est faite par un groupe australien, un duo électronique en fait qui s'appelle Power Glove. Ils ont bossé sur quelques films et ils font beaucoup des remixes de chansons de jeux vidéo déjà. Donc pour nous, c'était vraiment c'était un choix facile. Je pense qu'on les a approchés. Au début, ils pensaient que c'était une blague. Ils pensaient justement que c'était un poisson d'avril. C'était pas en avril, mais puis finalement, on a dit non, là, on est sérieux. On veut vraiment vous avoir à bord. Puis pour eux autres, ils ont sauté sur l'occasion pour travailler enfin sur un jeu. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a fait vraiment de la manière old school. Donc chaque mission a une trame sonore qui est complètement propre à elle. Puis évidemment qu'on va releaser la soundtrack qui va être downloadable bientôt. Ça risque d'être intéressant. En termes d'acteurs, on est allé chercher Michael Biehn, qui joue le rôle principal de Rex Power Colt. I do what I want. Understood. Un icône, honnêtement, des films d'action des années 80-90. Là, il y a eu le rôle principal dans Terminator. Il a joué aussi dans Aliens, The Abyss, Navy Seals, qui est un film un peu plus obscur. Mais quand même, pour lui, c'était incroyable de se remettre sur la sellette, là, de se remettre comme il était une grande star de ces années-là. Pour ce qui est du cover, on était cherché un artiste canadien, en fait, qui lui a justement travaillé sur Drive. C'est lui qui a aidé aussi à la bannière de Tron, Legacy, le nouveau, avec Disney. Donc vraiment, c'est des artistes qui sont inspirés déjà des années 80-90. Pour eux, c'est un vrai playground qu'on leur a donné. Blood Dragon propose donc une vision du futur comme pouvaient le faire les cinéastes des années 80-90, avec beaucoup de couleurs flashy dégueulasses, des explosions dans tous les sens et du ridicule en guise d'éléments narratifs. Une direction complètement assumée, mais qui s'éloigne du coup de ce qu'avait proposé Ubi avec Far Cry 3. Dans cette configuration, on peut alors se demander pourquoi avoir conservé ce nom. Oui, l'univers est complètement différent de Far Cry 3. Puis en fait, c'était l'intention. Le mandat qu'on a eu, c'était de virer fou un peu pendant la production. Puis on était super chanceux qu'Ubisoft nous donne la chance justement de se rafraîchir, de faire quelque chose qui était vraiment créatif. Far Cry 3, pourquoi? Ben en fait, c'est basé sur les mêmes systèmes, la même technologie. On a quand même fait un jeu de qualité avec Far Cry 3. Je pense qu'on a gagné plusieurs prix. Donc on a vraiment bâti sur ces mécaniques-là. N'importe qui, un fan de Far Cry, de la marque de Far Cry 3 aussi, va retrouver les mêmes mécaniques familières. Donc le shooting ressemble beaucoup. Tout l'aspect monde ouvert, tout l'aspect open world, les side quests, etc. Tout ça font partie de l'univers de Far Cry Blood Dragon. Bien évidemment avec une couche de peinture propre à Far Cry Blood Dragon. Donc beaucoup de rose, beaucoup de mauve, beaucoup de bleu et des néons.
L'ambiance est donc clairement différente, et même si l'on a affaire à la même technologie et aux mêmes grandes lignes que Far Cry 3, comme la dimension stealth ou encore le côté open world, Blood Dragon se pointe tout de même avec quelques features qui lui sont propres. Il y a des cool features sur Far Cry 3 Blood Dragon. Je pense qu'on a vraiment assumé le fait que Rex Power Cold, c'est un cyber commando, donc il est cybernétique, il saute un petit peu plus haut, il court un petit peu plus vite. Quand il tombe, il prend pas de dommages. Pour se régénérer, au lieu de se mettre un bandage, ben lui, il va carrément se ressoudre son bras cybernétique ou carrément le revisser parce que son bras va avoir pendu. Et le dragon, évidemment, qui est, d'après moi, le personnage principal, si on veut, du jeu, prend beaucoup de place. Mais le dragon, c'est vraiment... On s'est dit comment repousser notre écosystème. On avait déjà le tigre, on avait déjà l'ours, on avait une couple d'autres, tu sais, des panthères, des tigres. C'est quoi le sommet de la chaîne alimentaire? Puis c'est là que le dragon est arrivé. Il est immense, il tire des lasers de ses yeux. Vous pouvez imaginer le type d'encounter dynamique qu'on peut avoir dans le jeu en ayant un dragon vivant avec lequel on peut interagir. C'est incroyable. Disponible dans quelques jours sur PC, PS3 et 360, on attend de ce standalone qu'il nous divertisse à moindre coût et on ne manquera pas de vous en reparler dans le cadre d'une critique diffusée dans un prochain classé 18+.